nombreux à avoir posé des questions, qu'est-ce qu'il fallait amener au JMJ, comment se préparer et surtout comment s'organiser d'un point de vue un peu concret. Et en fait, il y a beaucoup de choses, on voulait vous profiter de cette occasion pour vous transmettre un message assez essentiel dans la vie spirituelle, c'est l'importance du désir. Et vous allez recevoir au JMJ ce que vous désirez. Donc c'est sûr que si vous désirez trouver un ami, trouver une amie, trouver un métier ou savoir qu'est-ce que vous allez faire de votre vie, vous allez peut-être le trouver. Mais ce n'est pas la première chose qu'on voudrait vous apporter, nous les frères et prédicatio. Si on a monté un groupe où nous serons 250 pour aller au JMJ ensemble, c'est pour vous donner quelque chose de particulier. Le fond de toute expérience spirituelle, c'est tout simplement Dieu. Vous connaissez la réponse de saint Thomas d'Aquin, j'espère, où à la fin de toute sa vie mystique, il a une apparition de Jésus et Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu veux, Thomas ?» Et saint Thomas, qui est bon théologien, lui fait la bonne réponse. Il lui dit « Seigneur, je ne veux rien d'autre que toi. » Alors c'est ça que nous, on veut vous apporter. C'est pour ça qu'on organise les JMJ. C'est pour ça que le frère Manuel Marie passe des nuits et des nuits à remplir des tableurs Excel. C'est parce qu'il veut vous apporter le Seigneur.